Got him! Présenté. Un. Thank you.
reposer. En repos. Garde à vous. Drapeau du 24e régiment d'infanterie, sans votre garde. Gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez vos emplacements. Présentez. Ah. Ouvrez le banc. Madame Camille Faure, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Au cours de ses 17 années au service de l'État, Madame Faure a exercé des responsabilités toujours croissantes dans les domaines juridiques et financiers. Elle est directrice adjointe au secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées depuis septembre 2023. Fermez le banc. Reposez. En. Portez. En. Ouvrez le banc. Major Jean-Philippe Guette, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Concertant au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, le Major Guette sert depuis 27 ans à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, où il a été engagé à de nombreuses reprises sur des opérations d'envergure. Maître principal François Blinier, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Après près de 34 ans de service actif, le maître principal Blinier est affecté au sein de la réserve opérationnelle au centre de la coordination et de contrôle marine atlantique, où il renforce les équipes de contrôleurs aériens. Il est également très investi auprès de la jeunesse. Fermez le banc. Reposez. En. Portez. En.
Ouvrez le banc. Capitaine de vaisseau Didier Lallemand, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national du mérite. Après un début de carrière comme sous-préfet, Monsieur Lallemand est nommé préfet en 2000. La variété et l'excellence de son parcours l'amènent à occuper successivement des postes à responsabilité importante qui marquera de son empreinte. Il se distingue notamment en tant que préfet de police de Paris. Monsieur Lallemand est le secrétaire général de la mer depuis septembre 2022. Officier de réserve opérationnelle, le capitaine de vaisseau Didier Lallemand sert également au cabinet du chef d'état-major de la marine. Colonel David Marty, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre national du mérite. Pilote de chasse, le colonel Marty a commandé l'escadron de chasse Decat Lafayette et la base aérienne 125 d'Istres. Chef de la cellule expertise nucléaire au cabinet du ministre des Armées depuis 2023, il cumule 2200 heures de vol, 9 missions de guerre et a été cité à l'ordre de la brigade aérienne pour son action en Libye. Colonel Christophe Barrier, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre national du mérite. Service opérationnel depuis 1990, le colonel Barrier a servi en régiment et en état-major sur des postes de logisticien. Il est affecté à l'inspection de l'armée de terre depuis 2019. Pharmacien en chef, Michael Lemaire. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Après une première partie de carrière tournée vers les opérations au cours de laquelle il sera engagé au Tchad et en Afghanistan, le pharmacien en chef, Lemaire, occupe depuis 2022 les fonctions d'adjoint au chef de la cellule militaire santé du cabinet du ministre des Armées. Lieutenant-colonel Benoît Damy, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Le lieutenant-colonel Damy s'engage dans l'armée de l'air en avril 2000. Officier des bases de l'air depuis 2006, il sert actuellement à la sous-direction politique de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. Ingénieur en chef de l'armement Thomas Sousselier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Après un doctorat en informatique, l'ingénieur en chef de l'armement Sousselier rejoint la direction générale de l'armement en 2006. Il sert comme conseiller technique innovation au cabinet du ministre des Armées depuis 2022. Commissaire en chef de deuxième classe, Véronique Cariou. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Le commissaire en chef de seconde classe, Cariou, a servi en régiment, en état-major, OTAN et en administration centrale. Il est actuellement chargé des travaux budgétaires sur la loi de programmation militaire à l'état-major des armées. Madame Hélène Chinal, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Madame Chinal débute sa carrière chez Capgemini en 1980 comme conceptrice développeuse avant d'évoluer dans diverses fonctions de la management. Interlocutrice clé du ministère des Armées, elle est désormais directrice de la transformation Europe du Sud et centrale chez
Capgemini. Monsieur François de Voucoux Dubuisson, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Monsieur de Voucoux Dubuisson a débuté sa carrière professionnelle dans le privé avant de mettre ses compétences au service de l'État. Ancien élève de l'École nationale d'administration, il est affecté au cabinet du secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées. Monsieur Patrick Gaillard, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Après 4 ans de service au ministère des Armées, Monsieur Gaillard fonde en 2011 le groupe industriel Turgy et Gaillard, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, dont il est le directeur général. Fermez le banc. Reposez. Ah. Ouvrez le banc. Lieutenant-colonel Bruno Aignard, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Engagé de novembre 2021 à février 2022 comme coordinateur tactique et chef de détachement Reaper au sein de la base aérienne projetée de Niamey au Niger, dans le cadre de l'opération Barkhane, le lieutenant-colonel Aignard a fait preuve de belles qualités militaires. Il s'est particulièrement distingué les 18 et 23 janvier 2022 dans le cadre de l'opération Lamago, où il a dirigé un dispositif aérien complexe et a coordonné plusieurs frappes aériennes permettant la neutralisation de nombreux combattants. Lieutenant Tamar, nous vous décernons la croix du combattant volontaire avec agrafe missions extérieures. Engagé au 13e régiment de dragons parachutistes en septembre 2016 comme réserviste, le lieutenant Tamar a été déployé à 3 reprises en opération au Levant, à des moments clés de la lutte contre l'État islamique. Elle cumule sa grande disponibilité pour les armées avec un emploi civil à forte responsabilité. Adjudant Alexis Ovas, nous vous décernons la croix du combattant volontaire avec agrafe missions extérieures. Appelé du contingent, l'adjudant Ovas se porte volontaire pour effectuer un service long. Il est déployé en opération en 1994, puis effectue une carrière au 12e régiment de cuirassiers. Il est affecté au cabinet du ministre des Armées depuis avril 2023. Brigadier chef de première classe Clément Fauconnet, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec agrafe armes blindées de cavalerie. Le brigadier chef de première classe Fauconnet s'engage dans l'armée de terre en 2004 au 501e régiment de chars de combat. Il est affecté au service de l'intendance du cabinet du ministre des Armées depuis juillet 2011. Monsieur Fabrice Lizardi, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec agrafe Défense. Président du conseil d'administration de Decathlon France, Monsieur Lizardi s'est personnellement impliqué dans la valorisation et la promotion de l'esprit de défense et de sécurité en signant en février 2023 la convention de partenariat avec le secrétariat général de la Garde nationale qui soutient la politique d'emploi des réservistes opérationnels salariés. Commissaire de première classe, Alexandre Cabouche. Nous vous décernons la médaille d'or des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure.
Directeur d'hôpital, le commissaire de première classe Cabouche est également affecté comme réserviste au secrétariat général de la Garde nationale et du Conseil supérieur de la réserve militaire depuis 2021. Major François Seberlich, nous vous décernons la médaille d'or des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. Le major Seberlich s'engage dans l'armée de l'air en juin 1986 avant de rejoindre le service des essences des armées. Il quitte le service actif en décembre 2001 et sert depuis comme réserviste sur la base aérienne 125 d'Istres. Adjudant-chef Isabelle Camus, nous vous décernons la médaille d'or des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. Sous-officier de réserve depuis 2007, l'adjudant-chef Camus est affecté à la division régionale des réserves de la région de gendarmerie d'Île-de-France, où elle est chargée des journées de défense et de citoyenneté. Maréchal logis-chef Baptiste Lémire, nous vous décernons la médaille d'or des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. Auto-entrepreneur dans le civil et sous-officier de réserve dans la gendarmerie, le maréchal logis-chef Lémire est affecté au groupement de gendarmerie départementale des Yvelines. Madame Estelle Brachianoff, nous vous décernons la médaille d'or des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. Directrice générale de Veolia, Madame Brachianoff s'est personnellement très impliquée dans la valorisation et la promotion de l'esprit de défense et de sécurité. Elle a notamment renouvelé en mars dernier la convention de partenariat avec le secrétariat général de la Garde nationale, qui prévoit la mise en œuvre de mesures d'employabilité des réservistes opérationnels salariés de son entreprise, allant au-delà des dispositions légales. Madame Laure Viellard, nous vous décernons la médaille d'or des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. Directrice de l'École supérieure des technologies et des affaires de Belfort, Madame Viellard s'est personnellement impliquée dans la mise en œuvre de conventions favorisant l'employabilité des réservistes opérationnels salariés de son établissement et l'emploi des réservistes étudiants. Monsieur Édouard Hainaut, nous vous décernons la médaille d'or des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. Directeur général de la société Transdev, spécialité dans les transports, Monsieur Hainaut s'est personnellement impliqué dans la valorisation et la promotion de l'esprit de défense et de sécurité au sein de son entreprise en signant en décembre dernier la convention de partenariat avec le secrétariat général de la Garde nationale qui soutient la politique d'emploi des réservistes opérationnels salariés. Fermez le banc. Décorez, rejoignez les rangs. Thank you.
Drapeau du 24e régiment d'infanterie, rejoignez votre garde. Repos. Garde à vous. Ouvrez le banc. Mon général, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le préfet, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, monsieur le délégué général à l'armement, monsieur le secrétaire général pour l'administration, messieurs les chefs d'état-major d'armée, officiers généraux, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins et aviateurs d'active et de réserve, personnel civil de la Défense, mesdames et messieurs les parlementaires et élus, mesdames et messieurs les employeurs, mesdames et messieurs. Dans notre histoire, le principe a souvent été la guerre et la paix était l'exception. Alors que nos repères de stabilité géopolitique ont évolué en peu de temps avec brutalité, chacun de nous, civil comme militaire, pressent instinctivement le danger. Les menaces se cumulent pour notre sécurité. Les crises s'accélèrent et font peser sur la France et sur l'Europe entière un risque direct ou indirect, parfois encore invisible, sournois, discret, hybride, mais pourtant bien réel. Une chose est certaine, le moment que nous vivons n'est pas une parenthèse, mais un dérèglement durable et une profonde rupture stratégique du monde tel que nous l'avons connu depuis la fin de la guerre froide. Pour se préparer aux défis de demain, il nous faut donc regarder lucidement nos capacités militaires comme industrielles et savoir répondre à cette question simple mais redoutable dans notre histoire : sommes-nous prêts ? Et s'il fallait s'en poser une deuxième, quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour l'être ? Il nous faut donc nous réarmer, à la fois pour réparer ce que d'aucuns avaient abîmé dans le passé, mais aussi pour transformer nos armées, repenser les missions confiées à nos unités, à notre flotte aérienne et à nos forces navales, pour les préparer à combattre à la fois les menaces anciennes qui ne disparaissent pas, mais aussi les nouvelles qui pèsent peu à peu sur le pays ou sur nos alliés. L'ensemble de celles-ci se cumulant désormais plus qu'elles ne se succèdent. Les choix que nous avons pris pour engager ce réarmement ont été parfois difficiles, même s'ils s'inscrivent dans un cadre budgétaire bien plus confortable que jadis. Mais plus qu'une simple courbe budgétaire, qu'il a certes fallu décrocher et que le politique devra demain défendre et protéger avec rigueur, c'est l'efficacité militaire réelle de la France qui sera la seule jugée devant l'histoire. Au-delà du réarmement de nos forces, c'est un réarmement plus global que nous devons convoquer. Cet impératif appelle un sursaut national dans sa dimension morale et patriotique également. C'est ce sursaut qui nous rassemble cet après-midi dans cette vénérable cour des Invalides, où tous autant que nous sommes, élus, parlementaires, officiers, sous-officiers, militaires du rang, d'actifs comme de réserve, agents civils du ministère des Armées, décideurs publics, élus ou nommés, chefs d'entreprise et salariés du secteur privé, responsables associatifs, anciens combattants, retraités ou étudiants.
Alors que nos forces doivent faire face en même temps au retour d'une compétition plus dure entre les grandes puissances, sous fond de chantage ou de prolifération nucléaire, avec sa part de confrontations potentielles, indirectes, essentiellement à ce stade, mais pour combien de temps ? À cela s'ajoute un risque terroriste qui n'a pas disparu et qui continue de mobiliser nos militaires, en particulier pendant les Jeux Olympiques, aux côtés des forces de sécurité intérieure. Ce terrorisme s'ancre et se métamorphose du Sahel à l'Afghanistan, en passant par le Levant, prenant des formes nouvelles et pernicieuses, prêt à frapper l'Europe, comme d'ailleurs on l'a vu, le reste du monde. De plus, nos forces et nos services de renseignement doivent relever les défis que pose l'émergence de nouveaux espaces de conflictualité qui découlent de sauts technologiques, rapides et brutaux, comme en témoigne la militarisation inarrêtable du numérique à travers les menaces cyber, la remise en cause de la neutralité de l'espace ou bien encore l'émergence de dangers dans les fonds marins. Ces menaces pèsent sur la plupart des pays d'Europe, mais pour nous, au regard de nos particularités liées à notre dissuasion nucléaire, ou par nos territoires ultramarins, par exemple, elles prennent une forme plus hybride, avec une stratégie d'approche moins franche, mais tout aussi brutale, n'hésitant pas à détourner des objets civils à des fins militaires et à jouer des fragilités de notre démocratie. Tout cela doit nous inviter à penser différemment, à prendre des risques et à faire preuve d'audace, vous disais-je dans cette même cour des Invalides en janvier dernier. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins et aviateurs d'active et de réserve, personnel civil de la Défense, ensemble et sous l'autorité du chef d'état-major des armées que je salue, le général d'armée Thierry Burkhardt, nous avons mené depuis 2 ans une difficile mais indispensable introspection de ce que sont nos forces, en ne tournant jamais le dos à notre histoire ou à leur singularité, en regardant demain ce que doit être leur format, leur mission, pour prendre des décisions qui seront lourdes de conséquences pour le pays. Elles engagent notre nation pour des décennies et doivent permettre à la France de résister aux épreuves de ce monde instable. En matière de sécurité, le déclin n'est pas permis et toute naïveté ou fatalisme serait coupable. À bien des égards, le contexte, guerre en Ukraine, au Proche et au Moyen-Orient, tentative de déstabilisation russe en Occident, durcissement en mer de Chine, pour ne citer que ces exemples, nous a placés face à un défi aussi important que celui qu'ont dû relever les gouvernements de la fin de la IVe République et plus encore même les gaullistes dans les années 60. La France a un modèle de défense singulier qui lui est propre, fruit d'une construction historique minutieuse gaullienne reposant sur une autonomie stratégique française qui va bien au-delà de la seule dissuasion nucléaire et qui puise sa force dans le sentiment profond que la France n'aurait jamais dû perdre la drôle de guerre de 1940, n'aurait jamais dû connaître les difficultés de l'expédition de Suez, n'aurait jamais à connaître de nouveau les guerres d'Indochine et d'Algérie. Les décisions que j'ai prises sous l'autorité du président de la République au cours de ces 2 années n'ont pas engagé de rupture fondamentale avec notre modèle historique. Au contraire, j'ai toujours voulu veiller à revenir, sous le contrôle de vos chefs, à la force conceptuelle initiale de notre modèle d'armée, c'est-à-dire notre capacité à nous adapter vite en prenant en compte les défis réels du monde actuel. Tout repenser pour rester la France, ou ne rien vouloir changer et alors disparaître. Le sursaut plutôt que la routine, la prise de risque plutôt que le confort. La puissance de penser différemment plutôt que l'argent public comme seule solution, la confiance dans les femmes et les hommes de nos armées en ne les opposant jamais à l'innovation ou à la technologie. Cet état d'esprit est ce que nous devons à celles et ceux qui ont combattu pour nos couleurs, comme à ceux qui s'engageront demain dans nos forces, dans les réserves comme dans l'active, pour le succès des armes de la France. Ces décisions et ces choix, s'ils sont indispensables pour notre propre sécurité, nous permettent de tenir notre rang et de nous donner les moyens de notre diplomatie, d'agir en allié ou partenaire fiable au sein de l'OTAN, que la France a fondée, faut-il le rappeler, et dans laquelle nous devons être demain plus forts, sans chercher à contourner les évidences de ce qu'est l'Alliance Atlantique pour l'ensemble de nos voisins, ce qui sera précisément le corollaire de notre indépendance et autonomie en son sein, et ce y compris vis-à-vis de nos amis américains.
Au sein de l'Union européenne, où notre modèle d'armée complet, notre dissuasion nucléaire et la qualité des équipements et des industries françaises nous rendent incontournables, déployons nos atouts avec confiance et puissance. En Afrique et au Moyen-Orient, où nos accords de défense prennent un visage différent, mais où chacun voit que nous sommes une armée d'emploi, prête au combat, au sacrifice, pour honorer la parole de la France à un pays ami dans une communauté d'intérêts partagés. En Indo-Pacifique, où la conjugaison de notre présence militaire en Outre-mer, dans les différentes opérations et entraînements avec les armées de la région, les partenariats de souveraineté avec des puissances comme l'Inde, Singapour ou l'Indonésie nous permettent de défendre nos intérêts en promouvant cette diplomatie de puissance d'équilibre. Au sein des Nations Unies, où nos valeureux soldats remplissent actuellement le délicat mandat donné par le Conseil de sécurité à la frontière entre le Liban et Israël, dans un contexte de plus en plus dangereux et incertain. En mer Rouge, où la Marine nationale française s'assure avec nos partenaires de la libre circulation des routes maritimes dans la zone, mais aussi dans le canal de Suez ou dans le détroit de Bab-el-Mandeb, car la France et ses intérêts, faut-il le rappeler là aussi, sont universels. Mesdames et messieurs, la politique de défense portée ces deux années a été marquée par une augmentation des moyens dévolus à nos armées par la programmation militaire qui fera plus que doubler le budget du ministère entre 2017 et 2030, soit une augmentation de 35 milliards d'euros annuels. Et je veux en remercier les parlementaires et singulièrement vous, Monsieur le Président de la Commission de la Défense et des Forces armées du Sénat. Désormais, l'argent est là. Il faut donc poursuivre la rupture culturelle au sein du ministère des Armées et de notre base industrielle et technologique de défense. Ce défi est sans doute le plus dur à relever. J'ai voulu entamer une révolution, celle de l'audace, qui doit nous engager à continuer de nous regarder lucidement tels que nous sommes pour se préparer à gagner une guerre ou des opérations qui pourraient un jour concerner encore plus directement la France ou l'un de nos alliés. Les crédits qui sont confiés au ministère des Armées traduisent un effort majeur de la nation. Celui-ci nous engage à prendre des risques et à agir avec audace pour garantir que la France ait toujours un accès et une maîtrise souveraine aux technologies, actuelles comme futures. Je ne détaillerai pas ici les nombreuses actions en cours concernant à la fois la modernisation de notre dissuasion nucléaire, nos capacités expéditionnaires, les innovations majeures que nous intégrons inlassablement au programme de chasse Rafale, le changement d'air de notre aviation de transport avec la 330 MRTT et la 400M, la scorpionisation des équipements de l'armée de terre et sa transformation en profondeur amorcée nous permettant de nous déployer en 2027 de nouveau et en autonomie en plusieurs brigades avec leur soutien. Mais aussi pour notre marine nationale, avec le lancement en réalisation du porte-avions de nouvelle génération, successeur du Charles de Gaulle, la découpe de la première tôle du sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération, l'arrivée des patrouilleurs outre-mer dans nos territoires ultramarins ou encore le renouvellement de nos sous-marins nucléaires d'attaque. Je ne vous détaillerai pas non plus les investissements que nous avons engagés pour doter nos armées de capacités souveraines en matière d'intelligence artificielle, avec la création de l'AMIAD, du soutien aux grandes écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, ni de l'importante réforme enclenchée des fonctions numériques ou des services de soutien du ministère. Prendre des risques, c'est ce que nous avait demandé le président de la République. C'était sa volonté, et ce fut aussi de mettre en tension, Monsieur le délégué général pour l'armement, notre industrie de défense, pour l'engager dans la course à la réduction des délais de production. Les résultats sont là et place notre BITD en meilleure position dans la compétition vis-à-vis de ses grands concurrents à l'international, répondant de par là même aux besoins de nos forces armées. Prendre des risques, c'est enfin se poser les bonnes questions pour améliorer les conditions d'emploi de nos militaires, pour les fidéliser, pour attirer les jeunes dans nos rangs, pour valoriser les compétences au sein de nos armées et de la DGA, pour mieux accompagner leurs contraintes et celles de leurs familles, mais aussi pour faciliter la prise en charge des blessures de nos soldats tombés pour nos couleurs et poursuivre la féminisation de nos armées. Toutes ces réformes n'ont pas modifié ce que nous sommes. Au contraire, elles ont visé à repenser ce modèle, non pas pour faire table rase du passé, comme le préconisaient parfois certains, mais pour revenir sur sa force initiale en l'adaptant à notre époque et à ses enjeux. Mesdames et messieurs, s'il y a cependant un sujet sur lequel nous devons prendre encore plus de risques, c'est la place et le rôle des réservistes au sein de notre défense nationale qui ne peut reposer en 2024 que sur nos seuls soldats d'active et même d'ailleurs
sur le seul ministère des armées. Chacun doit donc y contribuer et y prendre sa part à sa manière. L'intuition que nous avions eue dès 2022 se confirme. Le besoin de compétences et de volontaires venus du monde civil est là. La multiplication des crises que j'évoquais à l'instant entraîne une augmentation des missions de nos armées sous différentes formes. L'engagement des réservistes et donc le soutien de leurs employeurs, que je salue, est un levier essentiel pour renforcer nos armées et leur donner les moyens de protéger les Français face à l'ensemble de ces menaces, dans leur diversité, mais aussi dans leur concomitance. Nos concitoyens y répondent en s'engageant et les réservistes opérationnels arrivent petit à petit dans les différentes unités. La programmation militaire nous en donne les moyens, en facilitant l'engagement des citoyens qui souhaitent concourir à la défense nationale, grâce au rehaussement de la limite d'âge pour s'engager dans la réserve, grâce à la simplification des visites médicales des réservistes, qui permet d'accélérer leur recrutement, pour lequel je demande aux services de santé des armées de réduire le délai d'attente à un mois, grâce à la possibilité offerte au personnel en congé de maternité de faire leur activité de réserve pendant ce congé, grâce à l'ouverture de nouvelles flottilles, bataillons et unités dédiées à l'intégration et à l'emploi des réservistes opérationnels, grâce enfin à la mise en service d'une application mobile destinée aux réservistes dénommée ROC, qui facilite la vie des réservistes et de leurs gestionnaires en proposant des fonctionnalités complètement numérisées, de la convocation au paiement des missions. Durant les Jeux Olympiques, plus de 5000 réservistes seront convoqués automatiquement par cette application. Ces mesures produisent leurs effets et le nombre de réservistes qui s'engagent pour servir dans nos unités augmente peu à peu. Ils sont aujourd'hui 43 000 alors qu'ils n'étaient que 37 000 en 2022, il y a 2 ans. Nous nous fixons pour objectif qu'ils soient 80 000 en 2030 et 105 000 en 2035, permettant de tendre à un modèle d'armée complètement nouveau avec un réserviste opérationnel pour 2 militaires d'active. Cette ambition engage une transformation profonde de nos structures pour y intégrer pleinement les réservistes opérationnels, pour les recruter, les former, les convoquer, les déployer partout où l'intérêt de la nation l'exige. Cette transformation nous demande de repenser la manière dont nous souhaitons employer les réservistes. L'état-major des armées, sous l'autorité du SEMA, publiera à ce titre une nouvelle doctrine d'emploi de la réserve dans les prochaines semaines, qui devra définir précisément les missions, la régularité et l'intégration des réservistes dans nos unités, pour répondre définitivement à cette ambition. Parce que les besoins sont là, nos armées doivent s'adapter pour relever ce défi. Il en va de la bonne exécution de leur mission de défense de la nation. Mesdames et messieurs, ce défi, nos armées le relèvent en lien étroit avec les forces économiques du pays, qui mesurent la mission patriotique qui est la leur. Leur première raison d'être est bien sûr de participer à la prospérité de la France pour assurer sa souveraineté, ses valeurs et sa puissance. Mais désormais, leur rôle est aussi de concourir à sa sécurité plus directement. L'ensemble des entreprises, à commencer par celle de notre base industrielle et technologique de défense, mais pas uniquement, ont la possibilité d'apporter leur pierre à l'œuvre collective qu'est notre défense nationale. 1100 entreprises l'ont déjà fait, en conventionnant avec la Garde nationale, dont je salue l'équipe et son commandant, afin de faciliter l'engagement de leurs salariés au sein de la réserve opérationnelle. Je veux, depuis cette cour où la nation honore les efforts et parfois même le sacrifice de ses soldats, leur dire notre reconnaissance. Nous avançons, mais il reste encore beaucoup à faire au cours des prochaines années pour recruter dans chaque filière professionnelle les compétences dont nos armées manquent pour assurer leur mission, en démarchant une par une approche adaptée des métiers des secteurs de la restauration, du recrutement, des transports et de la maintenance aéronautique, pour ne citer que ces compétences pour lesquelles nos armées manquent parfois de forces vives. Pour continuer à recruter et à fidéliser chaque année les réservistes dont nos armées auront besoin. Pour s'assurer enfin que les crédits prévus par la programmation militaire pour atteindre les objectifs soient bien exécutés. Dès cette année, avec 206 millions d'euros et dans les années qui viennent, et j'ai par ailleurs demandé aux services de gestion financière et aux états-majors de concevoir désormais cette enveloppe comme un socle et non plus comme un plancher. Sa gestion annuelle devant se faire désormais au service des réserves et non plus, comme parfois dans le passé, en étant la variable d'ajustement en cours d'année des crédits budgétaires. Enfin, pour continuer à engager les décideurs et les influenceurs derrière nos forces en leur confiant des missions spécifiques au sein
de cette réserve opérationnelle. Les armées devront également s'appuyer sur les dispositifs nouveaux et innovants proposés aux jeunes Français qui feront le choix de s'engager dans des contrats courts de volontariat au sein de l'armée de terre, notamment, dans un premier temps, afin de les inciter à poursuivre leur engagement au sein de l'armée d'active, mais aussi dans les réserves. Pour attirer celles et ceux qui participeront demain à la nouvelle journée de défense et de citoyenneté, qui devra être remilitarisée pour faire comprendre à notre jeunesse les grands enjeux de défense nationale auxquels est confronté le pays. Patriotisme, là aussi et encore. Mesdames et messieurs, pour y parvenir, les armées auront encore besoin de vous. Il n'y a pas de prospérité dans un pays qui n'est pas sûr, bien défendu et suffisamment puissant pour être respecté. Une fois de plus, il serait naïf de penser que notre défense ne peut reposer que sur nos seuls soldats ou sur les seules technologies. Chacun doit y contribuer, et l'engagement des réservistes et donc le soutien de leurs employeurs est et demeurera décisif. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins et aviateurs d'active et de réserve, personnel civil de la défense, tous ces résultats auront un jour un impact décisif. Malheureusement, rien ne laisse penser que nous nous dirigions vers des temps plus calmes. C'est l'honneur de nos armées que de savoir se réinventer, douter, décider et agir pour se tenir prêtes. Je sais que nos militaires le sauront si toutefois l'histoire venait à leur donner l'honneur de combattre et de mourir pour la France. Honneur, honneur à nos armées et à leurs chefs. Vive les armées françaises, vive la République et vive la France. Fermez le banc. Repos. Garde à vous. Présenté. Ah. Monsieur le ministre, les honneurs vous sont présentés par la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Un peloton du 2e régiment de hussards, une section de réservistes de la gendarmerie nationale, une section de la compagnie d'honneur de la Marine nationale à Paris, une section de la brigade aérienne 105, en présence du drapeau du 24e régiment d'infanterie. L'ensemble du dispositif est sous les ordres du lieutenant-colonel Laurent Christmann, chef de corps du bataillon de réserve Île-de-France, 24e régiment d'infanterie.